Nothing can stop me. I'm all the way up. Et oui, c'est encore moi. Aujourd'hui, un nouveau vlog. Donc, je commence tôt le matin avec mon petit déj. Donc, des œufs brouillés avec un peu d'oignon et un peu de tomate. Avec ça, deux tranches de pain complet et au moins 100 grammes. Et je pense que juste après, j'aurai un super grand shake. Il faut qu'on avoir une protéine pour avoir aussi mon taux de glucides. Donc, voilà, premier repas. Œuf, 6 œufs au total, oignons, tomates, pain complet, flocons d'avoine. Il est 2h30, donc il est temps de prendre le deuxième repas. Deuxième repas, super shake à la Red. Donc j'ai compté toutes mes calories du matin et de maintenant. Donc je suis à 1353 calories. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc vous pouvez voir là au-dessus, 1353 calories. Il me reste 1800 calories à manger. Donc j'ai simplement introduit tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Enfin, tout se trouve là, quoi, c'est le matin. Et ce shake fait environ 700 à 600 calories, si je me trompe pas. Donc voilà, deuxième repas, facile à préparer, vite fait, bien fait. Et voilà, on attaque ça. Et je vous retrouve pour le troisième repas, qui sera peut-être juste avant mon entraînement. Donc voilà, il est temps d'aller à la salle. Juste avant, je prends simplement une petite barre. J'ai pas envie de trop avoir le ventre gonflé avant d'aller à la salle. Donc du coup une petite barre me suffit et une grosse bouteille d'eau qu'il y a dans mon sac. Donc aujourd'hui c'est biceps triceps, on va les tuer. Je vais aussi faire une toute petite présentation de la salle. On me demande ça souvent, donc je vais vous montrer les machines qu'il y a. Donc ça prend 5 à 10 minutes avant que j'arrive, trouver une place, se garer. Et puis on va commencer la destruction de ces petits bras. Donc voilà, on va commencer. Ok, on y est. Nous voici enfin arrivés à la salle. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne. La salle, donc franchement, elle n'est pas super grande. C'est une salle toute simple, limite. Il n'y avait même pas de machine cardio il y a quelques années. Il a rafistolé quelques petits vélos. Il y en a un qui se trouve ici. Il y a deux steps qui se trouvent là. Ici, il y a toutes les médailles des participants qui ont participé au concours de bodybuilding avec toutes les affiliations, les photos des anciennes personnes qui ont été ici. Enfin, soit. Ici, c'est le bar avec toutes les barres protéines, les suppléments que vous pouvez vous procurer, les shakes que vous pouvez faire. Ainsi aussi, il y a un frigo. Donc avec tous les shakes post-workout, pendant l'entraînement ou même avant, des bouteilles d'eau. Ensuite, quand vous rentrez, vous avez la machine pour les lombaires, enfin la machine, pas passer de machine. Ensuite, quelques bancs pour les abdos. Ensuite, un poster d'une femme avec un calendrier qui date de 2011. Il y a les toilettes à gauche. Et puis ensuite, ça commence, hein, vous avez toutes sortes de machines tout autour de la salle. En rouge bien flash avec la lumière naturelle qui vient d'en haut plus les spots. Donc à l'arrière c'est plus basé jambes, comme vous pouvez le voir. C'est ici que je travaille les jambes. Donc l'arrière, la presse, l'axe, squat, là-bas c'est les mollets. Et en fait un peu partout dans la salle vous avez des bancs, des poids qui montent jusqu'à 55 kg, 60 kg, si je ne me trompe pas. Et là vous avez un miroir qui vous rend énorme grâce à la lumière qui vient d'en haut. Enfin soit. Voilà le bench. Il y a vraiment beaucoup de machines ici pour le dos.
Des poivrons, des pois qui montent jusqu'à 125 kilos à l'ancienne. Et ainsi de suite, machine pour les triceps. Ici, vous avez machine pour les biceps. Vous avez une sorte de cage pour les tractions, les pull-ups, etc. Ici, vous avez un exercice, une machine pour pour les épaules. Et voilà quoi, triceps, des poulies, mais des vraies poulies, pas des poulies comme au basique, mais des vraies poulies. Donc là, je suis à même pas une barre là, donc il y a une barre, un crochet. Je suis à déjà 12 kilos et c'est hyper, hyper lourd. Donc voilà. C'est à ça que ressemble la salle en gros. Ok, c'est pas la salle la plus moderne, comme je vous ai dit, c'est pas la salle la plus waouh travaillée, il n'y a pas de belle peinture et le toit il est limite en vrac, mais ça suffit largement pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir faire un bon entraînement. Et tout ce qui compte, c'est de s'entraîner dans une atmosphère, dans une ambiance correcte. Et je trouve que c'est ce qu'il y a ici. Il y a une ambiance très correcte dans la salle, excusez-moi mes cheveux. Et c'est ce qui me plaît, et c'est la raison pour laquelle je m'entraîne ici. Donc je vais commencer d'ici quelques minutes avec mon entraînement biceps triceps. Et je vous dis, et vous tiens au courant pour le reste. Biceps. Donc l'entraînement va bientôt commencer. 4 séries d'exercices biceps, 4 séries d'exercices triceps. Je commence toujours par un échauffement de 5 minutes, pas plus. Ça dépend du muscle en fait. Mais là, pour les biceps, j'ai pas trop peur de me blesser. Donc, je vais commencer avec des curls à poids libre. Pas très lourd, simplement essayer de répéter les mouvements tranquillement en me concentrant. Je pourrais pas filmer l'entraînement convenablement. Je pourrais pas faire de montage vidéo, etc. Vu que la caméra sera posée sur un statif. Donc, même pas, elle est même pas posée, elle a accroché sur une barre, pour vous dire. Donc voilà, je vais simplement la poser là, faire mes exercices, me concentrer sur mon entraînement et vous montrer ce que je fais, tout simplement. Donc on va commencer par des curls, comme je vous ai dit. Je vais me concentrer, je vais mettre mon casque et je vous laisse voir.
entraînement biceps triceps terminé, j'ai fait un tout petit peu de mollets. Et voilà, donc ça, ce fut un long entraînement. J'ai commencé à 6h40, il est bientôt 8h. Donc on va dire que j'ai fait 1h, 1h20 d'entraînement, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je prends mon post-entraînement, un shake, pour charger tout ça. Bien dosé en protéines. Et donc voilà, on recapte encore à la maison, j'ai encore 2 repas à la maison je pense. Et puis ça sera fini. Dernier repas, ce sera un repas zéro glucides, vu que j'aurai gaspillé tous mes glucides. Il me reste à peu près 1600 calories, moins le shake, 1400. Et je pense que ça va aller très vite, 700 calories par repas. Je pense que ça va aller très vite. Donc voilà, on se recapte à la maison. À grand coup de pied, je fais une place, croyez-moi. Les temps causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge.